Il est là. Il est là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour la découverte de l'accès anticipé, de l'early access, de Darkest Dungeon 2. Qui est à propos de créer le plus de mauvaises situations possibles, hein, visiblement. Hein, voilà, il faut pas qu'on s'attende à réussir, que ce soit dans nos premières expéditions ou même dans notre dixième. Hein. On va mourir, on va rater, voilà, le monde va nous détruire. Mais il va falloir qu'on soit courageux, parce que comme le disait Game of Thrones, c'est un chant de Ice and Fire, voilà. Bon, non, mais en gros, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai cru dire Fire à la fin, mais en fait, non. En tout cas, on pourra peut-être trouver notre rédemption là-dedans. Je sais pas pourquoi ça c'est en anglais alors que le reste du jeu est en français, mais c'est parti. Bonjour. Ah, le son. Donc on est parti. Visiblement on va avoir froid, visiblement on va avoir mal. Le système de jeu a l'air d'avoir changé. Je n'ai vu qu'un seul trailer du jeu. C'est parti. Droite. Found you at last. My protege. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Terminez votre confession. Bon, alors le truc, c'est que j'ai toujours pas terminé Darkest Dungeon 1, moi, à ce jour. Hein. Ce sera fait, je pense. J'essaierai peut-être de le faire d'ici à ce que le jeu finisse de sortir son Early Access. Parce qu'en vrai, là, je vais le découvrir là. Peut-être si vraiment c'est trop trop bien, je vais continuer un petit peu d'y jouer. Mais je vais essayer de genre, voilà, juste découvrir les bases du gameplay à l'heure actuelle. Pour avoir un ordre d'idée de ce qu'il compte faire avec ce jeu. Puis ensuite, j'y retoucherai vraiment quand il sera sorti complètement. Bon, alors le vieux, il nous a expliqué, ouais, bah c'est la merde, machin, il y a une nouvelle menace, enfin j'ai pas tout compris, mais la Terre tourne autour d'un nouvel axe. Bon bref, on a peut-être du coup libéré le chaos en accomplissant notre quête du Darkest Dungeon. Le village, voire peut-être même le monde, a l'air d'être en mode bah on a tous à se buter. On s'en va. Le déni, mais qu'est-ce que. Ah merde. Ah bon, d'accord. C'est quoi, c'est un chapitrage? J'ai pas compris en fait, j'ai cliqué mais je croyais qu'il fallait que je modifie un truc moi. Pas du tout. Non mais ça c'est l'intro, je reconnais. En fait là j'ai rejoué l'intro. Non mais c'est complet. Oh! Ah non, c'est bon. Bah si! Non mais non! Ah oui mais non! Ah d'accord, oui, donc oui, si c'est un chapitrage. Bon bah du coup, on commence à courir. Et là, c'est traduit. Bon. Waouh, c'est si sombre.
Vous n'y voyez rien? Enfin, j'y vois rien sur l'écran de record, mais... Waouh. Attendez, non mais attendez, attendez, on va... Non mais... La luminosité? Ah merde. Bon, y a rien à voir, hein. Y a peut-être rien à voir, du coup. The crossroads, a beacon for the broken and the battered. Ok, la croisée. Bon, du coup, ouais. Bah oui, la croisée, la croisée. D'accord, là, on va choisir... C'est quoi, on choisit notre groupe? On a l'homme d'armes. Oui. Oh putain, la diligence. Ouais, bon, la diligence, c'est ma voiture, c'est mon lieu de repos, c'est ma ville. C'est mon fils, ma bataille. Ok, on peut voir les upgrades qu'on a. Alors juste, j'ai pas fait gaffe, mais... Bon, d'accord, c'est 2x Z, mais bon, ok. Les upgrades, donc les améliorations, hein, peuvent uniquement être changées au Wainwright. Wainwright. C'est quoi, c'est un... Non, c'est pas un moulin du tout. Je sais pas. Qui sont présentes à chaque auberge. Ok, voilà. Bon, donc dans les auberges, on pourra modifier les upgrades qu'on met. Formation de groupe. Former de notre groupe de 4 héros. Le héros à droite du groupe est en première ligne lors des combats. Changement de formation. On peut changer pendant que vous conduisez. Ok. La flamme. Dernier espoir du monde. Quand même. Celle-ci se réduit alors que vous voyagez, mais plusieurs événements peuvent la raviver. Plus elle est basse, plus les choses deviennent compliquées. Ne laissez pas la flamme s'éteindre. Bon voilà, quand t'es en dessous de 40, la situation devient compliquée pour les héros. Les modules... Oui, bon, on connaît. La flamme éteinte. Quand la flamme atteint 0, les héros sont en bouche. Ils sont pris en embuscade par des membres du culte. Si les héros survivent au combat, l'expédition continuera avec un brin de lumière qui perdurera. Donc on peut pas vraiment la faire s'éteindre complètement. Mais on va en chier. Du coup, j'ai que ça. Alors, est-ce qu'il compte rajouter d'autres classes ou est-ce que c'est le roster du jeu? C'est quoi ça? Ouais, d'accord. Oui, non, mais c'est mes talents. Elle accepte l'existence des autres à contre-cœur. Incroyable. Non, mais de toute façon, toi, t'es obligé. Bon, on a les spells ou pas? Ah, mais il y a. Ouh, ah ouais, il y a plus de skills qu'avant. Ou attendez, ou non, c'est pas. Quoique après, il n'y a pas les trucs de campement. Donc ouais, il y a peut-être ça aussi. J'aime trop l'OST. Hein. Vraiment trop. Bon, la pioche dans la tête. Mais elle a accès à tout. Bon, de toute façon, voilà, position 2-3. De toute façon, toi, t'es en quoi? Position 2-3 aussi? Ah, mais t'as... Hunted, harried, a fugitive seeking to outpace the past. C'est comme ça qu'on va faire. Baristan. Mais Baristan, c'est un nom du 1, ça. Dismas, ah, Dismas, incroyable. Dismas a survécu dans cette réalité. Bon. Non, mais on va commencer à... On peut renommer ou pas? Oui. Donc, par exemple, je peux dire que ça, c'est Corvo. Ça, c'est Lara Croft. Voilà. Bon, Dismas et Baristan, on va les laisser, parce que c'est des noms... Ces deux noms, ils me parlent du 1, donc je peux pas faire ça, je peux pas. Allez, let's go. On tente comme ça, de toute façon. On connaît les spells. La vallée. Oh! The road is yours to travel, but you are not alone. C'est marrant Game design. Enfin, et pas artistique. J'ai cru qu'il y avait une embouche là. Hein. Je peux pas. 12 lieues avant l'auberge. Inventaire. J'ai rien. Ah, mais du coup, je peux. Éviter. La cage de l'universitaire. Oui. In crisis, no gain is insignificant. D'accord. Poudre de combat. Si
si quelque chose, ça retire le quelque chose. Non, c'est pas de la... ça doit être de la furtivité, ça. J'imagine. Ah, si la cible a du stress, ou le stress est supérieur à 0%, ça enlève 1 de stress. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, non, mais le Laudanum, ouais. Jeu de cartes. Objet d'auberge. Augmente les chances d'améliorer l'affinité. Enfin, d'une amélioration, d'une affinité d'amélioration. Et ça réduit les chances d'une... d'une amélioration, enfin d'une affinité chiante. Donc les quirks, j'imagine. De, voilà, les passifs bonus-malus. C'est bloqué par comme John et la kleptomania. Ok, donc le kleptoman, il peut pas. Et Kurmudjon, je sais pas. Sac de vitesse. Hein? Attendez, quoi? Chance de spawner. Enfin, de faire apparaître un token d'esquive chaque tour jusqu'à la prochaine auberge. D'accord. Plus 10 de dégâts. On aime. 4 à 1, ok. Et des reliques. On va tout prendre. Provisions ne sont jamais en trop. Bah ouais. Mais attends. Comment je mets sur quelqu'un? Bon, pas sur... Oh! Ah ouais! Ah ouais, 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 ouais. Comment? Ah, relation? Alors, je sais pas du tout. Est-ce que les personnages peuvent mourir comme dans le 1? Ou est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde à vie? Je sais pas, ça. Hein. Après, c'est Darkest Dungeon. Je pense pas qu'ils vont enlever cette mécanique-là. Hein. Donc, on verra. Type un objet de combat. Tu prends ça, toi. Ah! Non, mais ils peuvent mourir. Je pense qu'ils peuvent mourir. Comment ça, 10 de stress? C'est quoi cette barre? Brûlure? Oh non. Oh non. Condition. D'accord. Lara. Non. Je sais pas. Obsédé par la mort. Ouais. Ah, tu peux pas prendre ça. Pas une breloque, ok. T'as un dismas, hein. Ils sont stonks, hein. Ils sont... Putain, c'est quoi ça? Maîtrise, relique. Au secours. Trop de trucs. Il y a trop de trucs. Bon, bah, je pense qu'on est... De toute façon, je vais pas mettre les autres objets de combat. Oh, putain, cumul d'inventaire. L'inventaire plein. Oh. Les objets ne peuvent pas être vendus. Jeter des objets vous octroie une petite quantité d'espoir. Les breloques, objets de combat, objets d'auberge et amélioration de diligence sont très utiles pendant votre quête. Ok. Ok, oui, on peut avoir deux breloques. Oui. Objets de combat. Les points de maîtrise. Remportés lorsque... Enfin, obtenus lorsque vous remportez des combats. Améliorer une compétence de héros. Ok. Les reliques sont la monnaie principale. Babioles sont utilisées pour acheter des trinkets. Ok. Bon, allez, let's go. Je sais pas s'il peut y avoir un combat là-dedans. Je me souviens de notre première rencontre sur les steps de l'université. Un collégial handshake qui nous doomerait tous. Je sais pas si... Bonjour. Les désespérés. Ouais, le vieux, il est allé à l'université, c'était cool. Bonjour. Pitié. Nous éclairons la voie pour plus que notre simple groupe. Que tous les hommes bons s'unissent sous la barrière de notre flamme. Maintenez halt. C'est toujours la même récompense. Lui, il lui parle pas, lui il s'en fout, lui. Après, par contre, je peux maintenir halt pour avoir des trucs, mais genre, j'ai flamme et récompense de nourriture, ouais. Bon, oui. Oui. Ah, d'accord, je maintiens. Scavenge what you can and be off once more.
Merci. Bon, je sais pas pourquoi enfin, j'ai fait répondre ça par... par baristan. Je sais pas ce que ça implique. Mais bon... Je sais pas, je me dis c'est un vétéran. Bon, après on rappelle, c'est une early access, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas tout qui est traduit. To attempt and fail is no shameful thing. Ouais. Putain, mais attendez. Ah ouais, j'aurais peut-être dû lire ça. Les héros expriment leur opinion sur la manière de procéder. Oui. Bon, là, en vrai, c'était la même chose pour tous, donc... Après, c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder, parce que si ça se trouve, Baristan, il déteste les gens. Les ronds dorés représentent une affinité positive, les ronds bleus, une affinité négative. Ah, y a quand même l'hôpital encore, condition de héros... Voilà, rencontre. Les héros sont souvent en désaccord sur la manière dont une rencontre doit être résolue. D'accord, lorsque vous choisissez la proposition d'un héros, il gagne en affinité avec les héros en accord. Bon, ça, c'est les rencontres de combat. Je pense. Les rencontres d'aide vont pouvoir croiser le chemin des malheureux locaux. Et les cultistes qui émanent de la montagne sont le grand mal qui contamine le monde. Ouais, voilà, ok, d'accord. Très bien. Non. Mais il est quand mon combat là ? Il y a un combat là, mais c'est... Non ? You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Ah ! C'est bon. Alors, risque tout. C'est vrai que j'ai pas lu ce qu'ils ont. Ça commence, c'est déjà dégueulasse. Ah, qu'est-ce qui m'avait manqué ce jeu? Prends 50% de dégâts en plus sur le prochain coup. On va dire, bon, ça c'est... Voilà, bon. Toi, on commence direct. C'est quoi ça? Alt? Non. Je connais pas ça. Ah, cible plus 10 pour... D'accord, c'est des résistances. Ça buff. Allez. Allez, on va jouer mal, mais c'est pas grave. Je peux viser. Non, mais on s'en fout. Oh, le tir au pistolet, il marche maintenant de là? Ah, mais non, c'est pas le pistolet, c'est pas le tir à bout portant. Ah, j'ai pas de tir à bout portant. C'est nul. Les animations sont vraiment bien. En vrai, j'aime bien le côté que ça donne. Je sais pas comment expliquer. Ok, superbe, ça donne de l'horreur. Sauf que là, ils ont 100 points. Hein. Je peux pas me permettre de cumuler le stress. Hein. Ça avance de 3. Bam! Gagne de l'armure. Voilà. Du coup, mon armure est partie. Ok. Toi, est-ce que t'es morte? Non. Maintenant, t'es morte. Ah, on voit plus qui a joué, qui a pas joué, par contre. Ah si, on voit les... Ok. Donc là, c'est l'âme perdue qui joue après ou c'est Baristan? Je crois que c'est Baristan. Quoi, il a résisté? Ah ouais, 40% de chance. Ah, ça peut saigner. C'est pas un squelette. Oui, alors je vous cache un peu, mais voilà, vous voyez, ces malus-là, il a des malus ici. Voilà. Hein. Toujours pareil, de toute façon. Je sais pas, il y a peut-être un bouton pour lock, mais ça, même sur le 1, j'ai jamais su. Bon. De toute façon, on s'en fout. Mais on s'en fout. Meurs. A promising development. Ah. Ça fait du bien quand même. Ah, ignore 20% de la résistance à la mort.
expérience, however painful, is the greatest teacher of all. Pourquoi elle a laissé un cadavre alors qu'elle est morte d'infection? Oh non. Ah non, pas les nouvelles règles, hein. Pas les règles comme ça, hein. Peut-être pour ça qu'ils ont ajouté la brûlure. Ouais, l'auberge. Y'a rien. Je sais pas si on peut cliquer sur des trucs pour choper des... Pour choper des trucs. L'auberge. Ah. Non, si, ça va, ça a l'air d'aller bien. The fire is lit. The table is set. The inn awaits its favorite guests. Alors, salut toi. Toi, c'est pas celle qui vend les... T'es pas la vendeuse de breloques, toi? La relation de Baristan et Lara Croft a évolué, amitié. La relation de Baristan et Dismas a évolué en amitié. Donc sûrement parce que c'est lui qui a fait le dialogue au début. Continue. Ils ont l'air désespérés, on a fait un combat. Il est déjà à 3 de stress. La belle lueur. Bon. The next stop is leagues away. Plan accordingly. Ok. Amélioration de diligence. Ah, ok, c'est la fameuse amélioration de diligence. Mais je peux cliquer, mais je peux rien faire. Un animal. L'itinéraire. Lune de sang. Curiosité, brouillard de guerre. Espoir, plus 250. What the hell? Ah, les points de maîtrise se dépensent. Ah, mais oui, d'accord, c'est que j'ai un point de maîtrise, donc c'est pour ça. Ah, mais oui, je vois en plus. Je vois exactement l'amélioration que ça donne. Qu'est-ce qu'on veut? x3 x3, j'ai bien lu. J'ai bien lu x3. Attends, hein? Pourquoi là il est revenu à x2? Mais non. T'es censé être amélioré là, hein? Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. I. Non, toi, Dismas, là. Voilà, x3. Et un signe bizarre que je comprends pas. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Oui. Donc ça, on a vu. La boutique. Conventional fare, but fairly priced. Qui est de la bouffe, du laudanum. Sac de potasse. Du coup, ça peut devenir utile. Baume de soin. Cible de fléchette. Peut-être pas mal de prendre cet objet. Ah, j'ai 24 balles. Ok. Mais non, mais achète. Comment j'achète? Voilà. Ça me paraît bien. Après, il y a écrit deux cibles, mais... Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Ah. Je peux appeler ma chariot, ma chariote. Je peux l'appeler... Epona. Non, je sais pas. Là, j'ai pas d'idée. Mais... la mort, voilà. Non, je sais pas. Non, mais ouais, le dernier espoir, c'était bien Last Hope. Voilà, on va l'appeler Last Hope. Parce que non, Last Espoir, voilà. C'est pour faire hommage à la traduction du jeu pour l'instant. Mais je peux rien faire de plus là. Il me dit que j'ai un point d'exclamation, je peux rien faire. Arrête. Ah, mais si. As vital to survival as sharpened steel. Et là, il faut que je choisisse. Plus 2 points de maîtrise, c'est bien ça. Mud and rain. Resignation and death. This land is truly barren. Bah, let's go du coup. Donc là, on fait ça. Mais est-ce qu'on va devoir faire une boucle jusqu'à l'auberge quand même ?
Le dédale. War. Ah! Rewards only. Resignation. Je reconnais, c'est Slay the Spire. Oh putain, oh, 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 j'ai eu un repérage. Je vais me faire casser la gueule en vrai. Combat. Tour de guet. Ça c'est bien. Hôpital. Rencontre d'aide. Bon, on va commencer en passant par là. C'est quoi les chemins bleus? Ah mais non, mais de toute façon, il faut que j'avance. Dans tous les cas, il faut que j'avance, en fait. Ouais. Non, mais on va par là. On va par là. La carte. Ah oui, mais du coup, je peux la fermer, la carte. Genre, si je fais ça, voilà. Il n'y a plus de carte. Ok. 78 lieux. Bon, Dispace, il est de bonne humeur. Cela ne menait à rien. Choix de route. Mais putain, mais tu commences pas à te stresser, toi. Les embranchements dans la route offrent deux ou trois options. Représentées, oui, oui. Les héros indiqueront leur préférence par les icônes au-dessus de leur portrait. Ah, ah, c'est peut-être pour ça qu'il stresse, Corvo. Il est pas content. Sous son chemin, il a pas été... Ouais. Chemin, il a pas été choisi. Moi, la lumière est incroyable. Hein. Vous avez une lumière incroyable. Oui. L'avancée du néant. Des cultistes! Nous serons victorieux! Je vous montrerai où frapper. Nous... C'est quoi ça? Vulnérable, plus un. Vas-y! Je vais vous montrer où frapper. Casser la gueule! Oh, voilà. On est dans la merde. Combat 1. C'est quoi ça? Oh bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. À 50%. 25%. Ah yes. Bon, au moins ça a disparu. Riposte x3. Hein. Ah, et je suis à 50% d'esquive du coup. Oh, trop bien. J'ai vraiment peur. Hein. Ah, mais non, mais c'est bon. Ah non, c'est pas moi qui ai pris les dégâts. J'ai cru que c'est moi qui avais pris les dégâts, mais en fait, ça va. Ça fait quoi, 10 de stress, là? Mais arrête-toi! J'avais pas vu ça. Ah ouais, on en est là? Ils peuvent se les mettre plusieurs fois. Comment ça agonie là? Putain, ils résistent vraiment à la mort. Ils ont vraiment rajouté le système de Death Door au mob aussi. Mais les bâtards.
Oh, va falloir être bon. Oh, va falloir vraiment être bon. Ça va être compliqué. Quand j'ai des effets de compétences supplémentaires en subissant une attaque. Au secours. Au secours, j'en peux plus déjà. J'en peux déjà plus. C'est le premier combat. C'est le premier combat de la route. Laissez-moi en paix là. Meurs toi. Oui, il résiste 5%. Il a 5% de résistance à la mort, il m'a fait chier, putain. Aïe aïe aïe. J'ai pas le stun. Pas le stun. Ok. Hein? Oh bah merci. Mais c'est vrai que lui il est blind. Ah mais c'est sur elle, ouais. J'ai toujours mon 50% de raté. Hein. J'adore cette classe, ça n'a pas changé. Oui bon par contre ouais. Ça commence à faire mal hein. Mine de rien, je rappelle encore une fois un premier combat hein. Toi tu vas soigner hein. Ok. Putain, les buffs sont sévères hein. Oh! Allez, boum! Ah, pu! C'était sur lui, il fallait que je fasse, mais. C'est pas grave. Là, y a un truc, attends, je... C'est le stun, ça? Ouais, bah ouais, bah, bien sûr, bah ouais, bah. Non, mais. Besoin que tu touches, donc forcément, tu vas pas toucher. Ce perso qui est full Gucci. Comment ça? Il a haussé les épaules, genre il s'en bat les couilles. Vous allez pas commencer à vous détester tous les deux là hein? Bah si. Bah si. Ok, super. Yes. Yes. Ah si, ça cancel son esquive en plus. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça m'arrive à moi. Pourquoi il a rien pris? Ah si, voilà, ok. Des fois j'ai l'impression... Ouais, je sais pas... Des fois il y a des trucs bizarres au niveau des dégâts, j'ai l'impression, mais... Ça doit être moi qui comprends pas tout. C'est nul. Ok. Bon, ça fait plus le même truc, mais ok. Ah oui, mais du coup, il est pas mort. À cause de ce système de... Agonie. Ah mais non, c'est qu'il va passer en agonie, en fait, avant de l'étal blow. Oh putain, mais... Ah ouais, vraiment le cancer absolu, hein. Ouais, ils tankent toute leur vie, j'en peux plus. Meurs. Vous voler ma gloire? Mais insupportable lui. Il est vraiment insupportable Corvo. Attendez, c'est quoi ces quirk? Érudite. Mais t'en fous en plus, putain. T'en bats les couilles qui te volent ta gloire là. Photomanie. Mais vraiment, elle a pris la mouche pour rien. Corvo là. Putain. Commencez pas à vous détester entre vous, là.
Mais ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, il me saoule déjà. Ça y est, il m'énerve déjà. La charge épuisée. Eh tiens, vas-y, voilà. Ah ouais, le 4 d'infection, il fait plaisir par contre. Sauf que 1 PV. Ça se trouve, c'est eux qui me rendent fou, mes persos entre eux. Hein. Moi, je pense que les cultistes... Après, peut-être que le fait que le combat est dur aussi. Il y a peut-être ça. Saloperie. Merci. Après, le coup fatal qui laisse le cadavre quand même. Je sais pas, je me suis dit peut-être que sur un malentendu, ils se sentiront contents et ils vont dire finalement c'est un bon gars, Corvo, on l'aime bien. In crisis, no gain is insignificant. Tu me casses les couilles. Ils sont... Oh, c'était le mien! Oui, c'était à moi! Mais niquez-vous, putain, arrêtez, soyez contents de survivre, là! Pourquoi c'est la zizanie, déjà? Oh! Comment ils... Oh, oh, oh! Non, mais pourquoi leurs relations, elles se sont autant dégradées, là? Bon, tiens. Déverrouiller le potentiel des breloques cultistes. Tiens. C'est bon, c'est pour toi, Corvo. C'est cadeau. Parce que... Ah, visiblement, t'as un souci au niveau du relationnel. Hein. C'est quoi, ça? C'est la vitesse, je pense. Irritable. Ah, mais c'est leur stress qui les rend comme ça. Ah, mais non, mais non, mais abusez pas, s'il vous plaît, là. Vous êtes tous infects les uns avec les autres. Ça va pas, genre non. Ah, superbe. On commence bien. Je sais plus comment on enlève ça. La map. Peu importe, de toute façon, mais j'ai envie de voir le chemin bleu, donc on va aller par là. Bah là-bas le cheval. Ah. Elle est embêtée, quelqu'un d'autre. J'ai pas regardé du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout regardé s'ils aimaient bien ou pas. Comment j'enlève ça? Ouais, comme ça. C'est l'inventaire, ok. Pendant que Lara Croft n'en peut plus de sa life et veut qu'on la ramène à l'auberge. Crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Ok. Hôtel de réflexion. Je ne serai plus jamais prisonnier entre quatre murs. Les moqueries et les chuchotements m'isolaient profondément dans mes études. Ah, ils vont se confesser. La tradition nous poussa dans les bras l'un de l'autre. Plutôt dans les héritages l'un de l'autre. Mon ambition surpassait celle des officiers à nos soirées et fausses escarmouches. Non mais, Corvo, ça te fera du bien, je pense. T'as l'air stressé, là. Plague, Doctor. Chapter 1. The good student. Du lore. Des éléments de lore. Brilliant and bold, her unconventional theories created nothing short of a scandal in her fourth year. The mocking whispers and scornful glares of her peers and professors had an ironically invigorating effect on her extracurricular experiments. The mysteries of the human body, of life and death itself, hovered just above her scalpel's reach. If only she could acquire a corpse of sufficient freshness. De la curiosité maladive, donc. Ah, alors. Ok.
Oh, j'ai débloqué un spell. En avant. D'accord, moi je pensais que... Ah d'accord, je pensais que ce serait une mini-quête. Mais non, ça la buff. D'accord, faut que j'enlève un spell. Ok, ok, ok. Par contre, je pense qu'en vrai... Attendez, hein. Ouais, on a la tour de guet là, on a l'hôpital là. Bon, en vrai, on s'arrêtera, je pense, au milieu de la route. Hein. Je vous préviens. Je vous préviens, on va s'arrêter au milieu de la route parce que, bon, ça... 66 lieues à faire encore, quoi. Et si cela ne menait à rien? Mais putain! Mais si, t'inquiète, au pire, trouve des cultistes et fais tes expériences dessus, c'est bon. On dira rien, c'est le jeu. J'ai loot un truc. Tout cassé, tout cassé. C'est vrai qu'il n'y avait pas suffisamment de combats. Comment ça, synchrone restant? Ah, ça, c'est nul. Hein. Ça, le problème, c'est que ça fait pas de dégâts. Hein. J'aurais dû le heal. Hein. Défend. Ah, essayez de devenir potes, vous deux, là. Non, y'a pas moyen. Oh! Incroyable, ça les a rapprochés. Par contre, je savais pas que c'était un taunt. Ah ouais, prochain skill, 100% de crit. Oui, bah écoute, j'allais t'en parler. Hein. Ça a pas cut la furtivité. Je peux utiliser encore un objet. Bam. Son prochain tour. Ok, donc si le sun existe encore sous la forme de vertige. Nice. Ou ah, deux tirs de contre-attaque, ok. Enfin deux tours. C'est bon. Merci. But effective. Ok. Bon, la menace est bloquée par condition. Si tu veux. Vous étiez potes il y a 2 secondes, putain. Casse les... C'est... Ils me rendent fou, hein. Ils me rendent fou. Genre, ils... À un moment, ils sont potes, puis 2 secondes après, ils sont en mode « Ah non, en fait, tu voles ma gloire !» Putain, mais respectez-vous, bordel. Remporter au moins 3 combats. 3 combats de résistance, c'est quoi ça? Lune de sang. Ouais. C'est pas clair. C'est pas clair, mais ouais. La valeur de cette vue est matchée seulement par sa unsettling awfulness. Bon, il a tour de guet. Ah ouais, on a un full scout. Mega worst. À la fin, ça a l'air d'être un sacré délire.
Donc là, l'hôpital. La récompense, machin. Une cage de provisions. Un hôtel héroïque. Poursuivre l'histoire d'un héros. Ah ouais, ça c'est bien du coup. Entrons contre Dead. Ça, on va éviter. Collectionneur, négociation. Ok. Contre Dead, rencontre Dead, entre. Risque élevé et grande récompense. Ah. Ok. Ok, ok. Bon, on va aller jusqu'à l'hôpital au moins pour voir. Ah ouais, on voit. Il y en a deux qui veulent. Oh, putain. Les deux les plus stressés, ils veulent se battre. Niquez-vous, hein. Ouais, ça a été direct en plus, hein. Non, mais Barista, il va péter un câble, hein. Tourment. It is low indeed to profit in destruction. Et là, recombat, hein. Ah non, embuscade, ça va. Oui, non, non, c'est une embuscade, oui, oui. Bah non. Ça se passe pas bien, hein. Il n'y a pas d'espoir dans cet enfer. Attends, tu peux me remontrer tes relations là? Ah, j'ai pas vu. Ouais. Ouais, on s'amuse bien. Ça se passe bien. Il est pas mort. Pour l'instant. Putain, il est à l'agonie, tu peux pas le laisser tranquille, putain. Même là, il se sent obligé de taunt. Oh mais non, c'était à moi. Mais... Ah non, c'est bien. L'autre, il est au bord du groupe. Non, mes cibles, non, laissez-les-moi. S'il vous plaît, focussez-le. Non. Ah, là, ça, c'est un stun, ça. C'est quoi la différence du coup entre le stun et le vertige? 3, lui, il est mort. Ah mais non, il est pas mort à cause de l'agonie de mort. Si, coup fatal. Parce qu'il a pas de résistance. Attendez, il a combien de résistance? 85, ah ouais. Pour ça, mais putain... on va le perdre en vrai, mais... Enfin, si on le perd pas, c'est un miracle, quoi. Je serai votre arme. Voilà, c'est bien, c'est bien. Même s'il va mourir au prochain tour, c'est bien. S'il te plaît, résiste. Oh, refuse pas de le tuer. Si tu refuses de le soigner, je te... Merci. Genre, ah non, je le déteste. Allez, je le déteste. Je le soigne pas. Je l'aurais détruit. J'aurais pété un câble. Mais non, mais... Il peut pas focus les bons par contre, hein.
Fais chier le cadavre. A brilliant conclusion. Un PV quoi. Genre le 1 PV hein. Mais j'ai moyen de faire l'étale en fait. A slow dissection. An unavoidable end. Ok. Ah! Il m'énerve. Pourquoi ils ont rajouté des relations entre les persos? Ça va me trigger. Ils m'ont pas... Avant ils se plaignaient, ils gagnaient du stress, tu vois, bon, on rigolait, on se moquait d'eux en mode « vous m'emmerdez » et tout. Là maintenant ils vont se détester entre eux. C'est de pire en pire. Non, en vrai ça s'est amélioré entre Baristan et Corvo. Le crit pour toi ? Obsédé par la mort plus. Non, pas plus, mais vas-y. Vas-y. Après, c'est vrai que peut-être qu'elle, du coup, elle va vouloir avoir les Lethal Blow à cause de ça. Mais Corvo, il n'y a aucun sens, hein, je suis désolé. Espèce de fumiste ! Ah, il s'est heal ! Ah non, mais ça l'est... D'accord, il se heal automatiquement chaque pas. Vous voyez bien vous asseoir à mes côtés une fois à l'auberge ? Ça, c'est bien, ça fait plaisir, voilà. Ils deviennent potes. Parce que pour moi, ils devraient... Je veux dire, ils vivent l'enfer ensemble. Ça devrait les rapprocher. Ça devrait pas, genre, ils devraient pas s'en mettre plein la gueule. Bon, le poste médical. Mais j'ai pas de maladie, je crois, si. Pas hésiter, hein. Y a pas hésité, prends mon argent. Je peux l'enlever ça? Ah ouais, ça fait ok. Est-ce que j'ai... ils font du soin de stress ou pas? C'est quoi ça? 5.0. Fils des ombres. Ouais. Connaissance par-dessus tout. Ils devraient s'entendre bien avec Corvo. On tente des choses, écoutez. L'état des lieux, mon dieu. Ouais. Alors là, la vraie question, c'est est-ce que je peux sauvegarder comme je veux à tout moment? Ou pas? J'essaye de dormir. Bah bon courage. Ah, rencontre d'aide. Bon. Ouais, j'ai des tutos. Est-ce que... Bon, là, la vraie question, c'est est-ce que, en fait, si je m'arrête là, ça a sauvegardé ou pas? On va tenter. Écoutez, on va tenter. Le jeu, il m'a pas dit « Attention, si tu reviens au menu principal, ta partie sera pas sauvegardée. » Ah, il faut que je refasse ça. Bon, ok, on refera ça. On continuera un peu, hein, je pense, du coup, cette vidéo découverte, cette découverte de Darkest Dungeon 2. C'est sympa, je... En fait, il y a une prise de risque qui est faite, du coup, du jeu, hein, vu qu'ils se reposent pas du tout sur leurs acquis. Si ce n'est pour la mécanique, le système en même de combat, même s'il a un peu évolué. C'est vrai que voilà, on reste sur ce tour par tour quand même. Après, bah, y a tout un tas d'inconnus encore sur le fait, notamment sur la mort des personnages, sur comment ça se passe de ce côté-là. Même si on pourra en recruter d'autres, donc on pourra se faire un roster différent. Il y a ce côté relation de personnages, je sais pas trop où ça veut aller. En fait, ça a l'air d'être plus basé sur les persos, sur les classes, que là où justement, dans le 1, on était plus sur la gestion de ton domaine, quoi. Donc, j'aime bien le rapport un peu plus intime que ça peut avoir, et du coup, ce que ça peut apporter en termes de lore, de scénario, tout ça. Ça me... Enfin, je... Voilà, de toute façon, j'aime trop le système de ce jeu. Donc, j'espère vraiment qu'ils ont conservé ce côté mort des persos. Parce que c'est un truc qui est quand même vachement bien, parce que tu t'attaches au personnage, et donc, t'as cette carotte de... J'ai pas envie qu'il meure, quoi.
Et si, bon, bah, c'est juste, tu perds et tu recommences, ça perdra un peu de son charme, je trouve, à mon sens. Après, voilà. Ceci dit, pour l'instant, c'est... moi, j'accroche bien, j'aime bien. Ça me donne envie, quand même, de finir le 1 de mon côté. Enfin, de mon côté, ou pas, hein, on verra. Mais, voilà. Sur ce, c'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye.